voir cette flamme dans le charbon. Il y a toute cette scénographie, ce fer chaud atterrir sur l'enclume. De voir ce métal justement se compacter, se tordre, se former. Une complicité qui doit vraiment s'opérer, parce qu'avec la gestuelle, l'œil, il y a vraiment quelque chose de magique, quelque chose qui se passe au contact de cette matière. Je travaille le métal depuis que j'ai environ 15-16 ans. Donc pour moi, ce matériau, c'est toute ma vie. J'ai fait 10 ans chez les Compagnons du Devoir, donc en France. Je suis parti à la fin de mon tour de France aux États-Unis dans une entreprise française. 2 jours de démontage de poison. Rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait un potentiel énorme aux États-Unis, car là-bas, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de formation comme nous, on a en France. La Forge Steel, elle a été créée en 2002 aux États-Unis. Je suis rentré en France en 2009 pour recréer une société. Nous faisons la Forge Steel du mobilier très haut de gamme pour le groupe LVMH. Et également, on réalise beaucoup d'ouvrages pour des résidences privées. Je me souviens d'une table pour un client américain. C'est un ornement en bronze, donc il y avait de la ciselure, de la sculpture, du forgeage. Après, il y avait tout ce système d'assemblage. C'était des pièces très fines. Sur ce projet-là, j'ai passé 200 heures. On est à peu près 5-6. À travers le monde à pouvoir réaliser ce genre d'ouvrage. C'est une chance, forcément c'est une chance, parce que du coup ça permet aussi de s'appliquer, de vraiment d'aller très très loin dans la finition. Ce qui fait un petit peu de différence, c'est surtout la façon dont on travaille la matière. Toujours lui donner quelque chose de vivant, soit une texture, soit une patine, soit une gravure, et ça c'est vraiment la particularité de la Forge Steel.